Allez, on va régler tout ça. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Le Boss d'Esca. Donc si vous connaissez pas ma chaîne, eh bien en fait c'est une chaîne où pendant un an je travaille à fond le bloc pour devenir champion. Alors j'ai commencé il y a à peu près bientôt 3 mois je pense, et j'ai fait pas mal de progrès. Là comme vous le voyez, je suis pas dans mon bureau habituel, je suis à la plage. Qui dit plage dit pause, qui dit pause dit resto, resto, plage, plage tranquille, prise de poids, qui dit prise de poids dit grasse mat, etc. Donc très dur de continuer l'entraînement. J'essaye un peu tous les matins, je fais 1 heure de sport juste pour entretenir musculairement en fait, pour pas perdre de masse. Fais attention à ce que je mange, même si voilà, je fais des restos, je fais des trucs, je fais des machins. Donc ma pauvre copine, c'est pas facile pour elle. Parce que je suis obligé de lui imposer un peu mon régime. Et on peut pas faire forcément tout ce qu'on a envie. Et voilà. Et bah après voilà, c'est un peu comme ça aussi, hein. C'est faire un peu des sacrifices quand on a une diète et quand on a envie d'atteindre des objectifs assez high level, quoi. Alors juste avant, j'étais à Arkose et j'ai fait une vidéo à Arkose. Parce qu'en fait, je voulais découvrir un peu cette salle. Parce que j'avais fait une compète là-bas, enfin un petit contest. Et j'y avais été 5 ans auparavant, mais je connaissais pas bien cette salle. Et puis je vois un mec qui s'appelle Vincent Escalade, un truc comme ça, je sais plus exactement, qui fait des vidéos à Arkose Toulouse. J'ai vu un peu les blocs qu'il faisait, donc je me suis dit, vas-y, je vais essayer d'aller là-bas, je vais essayer de voir un peu les blocs qu'il fait, voilà, pour voir ce que ça vaut, pour voir si le niveau il est plus dur ou plus simple, etc. Et voilà, pour en avoir une idée. Je pense que je vais pas parler énormément pendant cette vidéo, je vais juste laisser des images. J'ai juste un peu expliqué quand je suis arrivé là-bas. Alors moi, je suis arrivé en connaissant pas grand-chose d'Arkose, mais j'ai tout de suite vu que en fait c'était très dur. Soit j'étais pas très en forme, soit le niveau était quand même bien plus dur que ce que je pensais. Alors j'ai commencé par bleu. En fait, je connaissais pas tout du tout le niveau aussi. Après, j'essaye une rouge, je me rends compte que rouge, faut serrer un peu, ça commence à être un peu costaud. Et là, j'essaye, je suis un peu échauffé, donc je me dis, vas-y, je vais essayer une noire. Et là, je sais pas, je m'y prends mal et j'y arrive pas, je fais 2-3 essais et voilà, et puis je comprends après coup comment il faut faire, donc bah, j'y retourne pas. Voilà, moi comme quand je rentre dans une salle, je vois beaucoup de blocs et j'ai envie de les faire tous en fait. Donc c'est vrai que je passe souvent d'un bloc à l'autre, etc. Donc je réessaye une autre noire, une qui était assez tranquille.
Donc j'ai fait quelques 5-6 noirs, je me suis rendu compte que noir, c'est un niveau assez difficile. On peut dire que c'est du B12, tu vois. Et violet, je me suis rendu compte que violet, il y a des violets qui sont extrêmes. En fait, c'est très dur ce niveau. C'est plus dur que certains B14. J'avais des difficultés parce que c'est pas les mêmes ouvertures aussi. Donc ce qui est très important, je trouve, c'est d'aller faire différentes salles parce que sinon, ce ne sont pas les mêmes prises, pas les mêmes ouvertures, pas les mêmes techniques, les mêmes préhensions, etc. Il y a beaucoup de choses qui changent. Si tu vas avoir un niveau polyvalent, c'est important d'aller faire différentes salles parce que ce ne sont pas les mêmes ouvreurs, enfin voilà, pour beaucoup de raisons que je viens d'énumérer. Super intéressant, des violettes très dures, d'autres moins dures, mais ça reste, ouais, les violettes, ça reste du B13, B14, quoi, dans l'ensemble. Donc, pas évident. Donc j'étais assez surpris, j'ai essayé aussi, j'ai vu une vidéo d'un mec qui se balance sur une barre, bah d'ailleurs, c'était à Arkos. C'est un truc qui a fait, je pense, c'est le buzz, parce que je l'ai vu pas mal de fois, cette vidéo tournée, où en fait, il s'accroche à la barre, et il se balance, et il essaye de choper les poutres là-haut. Bah je l'ai essayé, j'ai chopé les poutres, sauf que je me suis niqué le doigt sur la poutre, parce qu'il y a des petits crochets ou je sais pas quoi. Et puis, je me suis fait mal, donc j'ai pas continué de le faire. J'aurais bien kiffé réussir à m'accrocher, c'était stylé. En petit bonus aussi, je vous montre la verte. Je vais vous donner des explications un peu sur la verte que j'ai faite. C'était la plus dure, enfin, plus dure ex aequo avec la noire, qui était au contest de Blockout. Et d'ailleurs, je vous avais pas dit les résultats la dernière fois.
Mais à Blockout, au contest, bah, j'ai été premier. Donc, super content. On était, je crois, 180. Moi, je croyais qu'on était une soixantaine. Et quand j'ai regardé la liste, j'ai vu qu'il y avait 180 mecs. Donc voilà, j'ai été premier. J'ai eu quelques points d'avance par rapport au deuxième. Donc super cool, quoi. Super content. Après, voilà, je commence à avoir des commentaires de gens sur ma chaîne parce que, voilà, ma chaîne, elle est nouvelle. Et c'est vrai que ça fait chaud au cœur. D'ailleurs, la dernière fois, j'étais à la salle à Blockout et il y a un mec qui est venu et qui m'a fait « Ouais, salut, mec !» J'ai fait « Ouais, salut !» Il me fait « Ouais, je vois tes vidéos et tout, c'est trop cool !» Donc voilà, c'est cool si ça peut motiver des gens et tout. Et puis, ça fait super plaisir de voir qu'il y a des gens qui viennent vers moi et qui me demandent des conseils ou même qui juste pour partager, pour échanger. Enfin, c'est cool, quoi. Donc, ça me fait super plaisir. Donc je vois qu'il y a beaucoup de gens bienveillants. Après, voilà, je pense que le milieu de l'escalade, c'est un milieu super bienveillant. Donc, c'est super cool. Donc, n'hésitez pas à partager vos commentaires, à échanger pour vous donner des idées, des astuces. Donc, la verte. Alors, cette verte, eh ben, j'ai dû faire une trentaine d'essais. Une trentaine d'essais, c'est quand même énorme. Mais je tombais toujours au même mouvement, toujours au même mouvement. Et en fait, j'ai vu un gars qui a posté la vidéo, qui l'a faite, cette verte. Et en fait, donc, comment est-ce qu'on pose? T'as le départ avec les deux vertes. Ensuite, tu vas chercher une verte main droite, qui est pas très bonne. Là, tu envoies ton pied droit sur la petite. Tu ramènes, enfin, avant de ramener, tu fais une lolotte avec ton pied gauche. Tu ramènes, là, tu décales. Pour aller la chercher là où elle est bonne. Et ensuite, tu vas chercher une prise, mais celle-là, elle est infâme. Et en fait, moi, ce qui faisait que je n'y arrivais pas, c'est que mon pied, je le mettais dans un axe sur la droite. Et en fait, je pense que comme mon poids était réparti sur la droite, ça me demandait donc beaucoup d'efforts sur cette main qui était mauvaise. Et ce que j'ai vu sur la vidéo, c'est que le gars, il a ouvert ses jambes et il est passé de sa jambe gauche sur la droite à la mettre, à la décaler en fait sur la gauche. Et en fait là tu répartis plus ton poids et en fait la préhension de cette prise elle passe plus d'une préhension comme ça mais d'une préhension comme ça. Et en fait ça, c'est ça qui a fait toute la différence dans la préhension de cette prise, c'est simplement d'ouvrir la jambe et de la déporter sur la gauche. Et ce qui m'a permis ensuite d'aller faire le mouvement sur celle d'au-dessus. Et ça a été un gros déclic en fait, parce que j'ai répété les mouvements. Parfois il y a des mouvements où on pense, où on sent que c'est comme ça qu'il faut le faire. Et en fait, de faire une autre méthode, eh ben ça débloque le truc. Donc tout ça pour dire que c'est très important parfois quand t'es bloqué, juste de faire une pause, de demander des conseils, d'essayer d'analyser, même des gens qui sont pas forcément de l'escalade. Parce que je vois, il y a des gens qui me conseillent, qui sont pas forcément de l'escalade, mais qui ont parfois des très bons conseils. Il y a ma copine qui fait de l'escalade de temps en temps, et qui a souvent un regard extérieur par rapport à ce que je fais. Et bien qu'elle pratique l'escalade de temps en temps, mais pas non plus intensément, elle me donne des conseils parfois qui me permettent moi de comprendre et de réussir le bloc. Alors que parfois quand t'es trop dedans, et ben juste, bah, t'as pas le recul nécessaire pour te rendre compte, même si t'as fait de l'escalade depuis des années. Cette verte, super content de la réussir, super plaisir. Donc voilà, je suis super content de mon évolution, voilà, je suis super content des gens en fait. En fait, ça, le truc c'est que, bien que je sois motivé à suivre mes entraînements, le fait de le partager, en fait, t'as des gens qui te poussent, t'as des gens qui t'envoient des messages, t'as des gens qui te soutiennent. Tout ça fait que c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, pour réussir à tenir bon, tu vois. Après, évidemment, t'as des gens qui te disent « Bah, t'y arriveras pas ». Enfin, après, voilà, moi, je me dis que mon objectif, il est très haut. Il est très haut, donc il y a de grandes chances que je n'y arrive pas, mais c'est pas grave, en fait. Moi, j'y vais comme si j'allais réussir et comme si, voilà, pour moi, je vais y arriver. Et je vais tout me donner. En tout cas, je vais m'inscrire, il me semble que c'est en septembre, je vais commencer à m'inscrire pour la FFME, pour faire tous les championnats, etc. Et bien sûr, je vous tiendrai informé de tous les championnats, mais avant ça, je vais aller à La Rochelle, il y a une grande compétition, avec à la clé 20 000 euros pour le gagnant. Évidemment, ça va être très dur, puisque il y aura des pros, il y aura un peu tout le monde, je crois qu'il va y avoir 450 participants.
Donc ça va être un super événement avec des concerts, voilà, je crois que ça se passe sur 4 jours et c'est en septembre. Donc je filmerai ça et je vous montrerai. Enfin, voilà, a priori j'y vais. Donc j'espère que voilà, si j'ai pas d'imprévu, que je vais y aller. Et voilà, je vous tiendrai au courant. Écoutez, je vous dis à la prochaine. Je pense que la prochaine, ça sera peut-être ma vidéo de bilan des 3 mois. Donc voilà, ce que j'ai appris encore, le poids que j'ai perdu, ma progression, etc. Mes douleurs, un peu, voilà, un bilan de ce qui s'est passé pendant ces 3 mois. Et voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. Voilà, je vais essayer au mieux d'y répondre. Bon, je vous dis à la prochaine et ciao. Et bonnes vacances. Hein.